cette île. Comment est venu le concept, l'idée Alors ça a commencé par la malle. Ah ouais, la malle. Alors tu, elle est très esquintée. Ça a commencé par la malle. C'était, c'est dessous, hein, c'était une malle. En fait, c'est, et c'est devenu l'île avec mon fils. Quoi. C'est commencé par la malle et ça fait donc 8 ans qu'on existe. 8 ans, excellent. Voilà. Et pourquoi l'île? Parce que vous êtes sur une île à Rochelle ou L'île entre le ciel et l'eau. Non, c'est parce que ça fait rêver, quoi. C'est vrai, voilà. C'est parce que Mais aussi, ces produits forêts, c'est magnifique. Quoi. Voilà. C'est, vraiment, c'est beau, c'est bon, tout, c'est odorant. Ah ouais. Voilà. Beau, c'est beau et odorant. C'est voilà, pas faux. Voilà. Ici, c'est. La caverne, la caverne des épices, même Alibaba aux épices, voilà, voilà. Le pays d'Alice. J'aurais dû d'ailleurs l'appeler comme ça, Alibaba au pays des épices. On a de tout, on a de la coriandre. Alors, d'où viennent toutes les épices? Alors, ça de, du Maroc, d'Inde, d'Asie, alors aussi un petit peu du sud de la France, hein, bon, comme certaines choses, comme les herbes de Provence. Oui, bien sûr. Sinon, ben voilà, du monde entier. Du monde entier. Ouais. Ah ouais, mais on se prie, donc c'est un super travail de recherche, de voyage. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Est-ce que tu conseilles aux gens, est-ce qu'il y en a qui te disent « Ouais, je veux un truc pour cuisiner tel plat, qu'est-ce que vous me conseillez comme épices ?» Est-ce que, bah complètement, est-ce que c'est mon travail. Ça commence par ça, n'est-ce pas? C'est mon travail. Ouais, de conseiller, de faire sentir. Ah, c'est chiant. Ouais. Par exemple, là, je te fais sentir. Alors ça, c'est cannelle, cumin, menthe, rose. Ah, c'est ça, c'est bien. Le kefta, pour faire les boulettes de viande. Ah, excellent. Voilà, par exemple, enfin bon, voilà, pour le taboulé, le guacamole. Tiens, regarde, juste pour te faire voyager un petit peu. Ça, c'est le guacamole. Magique. C'est excellent. Je reconnais une pointe de... Qu'est-ce que j'ai reconnu là? Je pense que j'ai reconnu une épice. C'est un mélange d'épices, hein. Alors dedans, il y a de la coriandre, de l'oignon, paprika, oui, c'est vrai. Piment. Il y a une épice africaine là, mais je ne connais pas le nom. Mais je Alors, dans les épices africaines, c'est que c'est compliqué, parce que ça n'a jamais le même nom. Parce que tu vois, ça, c'est pour le yassa. D'accord. Tu vois, avec des oignons, du citron et du piment. Ah, je ne connaissais même pas ça, Lyon. Ouais, tu vois. Mais non, les épices, je te jure. Il y en a tellement. Donc, pour cuisiner, faire des cocktails, j'imagine. Cuisiner, se faire des infusions, pourquoi pas se soigner. Ouais. Voilà, les épices, c'est terrible. En fait, on peut faire plein de choses avec. Ouais, j'ai la nigelle. La nigelle, en fait, c'est comme le cumin noir. En bulgare, on peut appeler ça comme ça. On fait du pain, on fait de la cuisine, mais on fait aussi des potions pour le psoriasis, par exemple. Quand on est enrhumé, ça débouche le nez. Enfin bon, voilà, c'est les épices. C'est toute ta vie. C'est magique, c'est magique. Il faut aimer ça. Hein, il faut vraiment aimer ça. Mais après, il faut savoir doser, je pense. Hein. Non, mais pour faire ce métier, il faut aimer ça. Il faut aimer, ouais. Voilà, parce qu'il faut beaucoup parler, il faut beaucoup expliquer. Il faut beaucoup... Parce que les gens aiment, mais les gens... Malgré qu'ils commencent à voyager, tu vois. C'est vrai. Ouais. Ben, nickel. Alors, il y a pas mal d'idées cadeaux aussi. J'imagine, est-ce que vous faites des coffrets cadeaux, des petits trucs à Noël pour la fête des mères. Allez sur l'île aux épices. L'île aux épices. Sur Google, c'est. Sur Google, vous trouverez facilement l'île aux épices. Voilà. Et voyager avec Armène et toute sa famille. C'est Benjamin. Magique. Benjamin, pour Benji. Camille et Benji. Okay, merci. Et puis voilà. Merci, Benjamin. Merci beaucoup. Et puis, merci. Bon,